encore un coup qui est en train de monter à côté de Ibrahim Traoré. Il vient ramener le maniement rapide. Vite. Son prénom de l'agence et de l'information du Burkina, l'AIB, qu'un individu au comportement indélicat a tenté ce jour, vendredi 17 mai 2024, aux environs de 16h30, de s'attaquer à la sentinelle en poste au palais présidentiel de Koulba à Ouagadougou. Les éléments en faction ont pu très vite maîtriser l'incident et aucun dégât n'est à déplorer malgré les tirs, poursuivent les sources de l'AIB. Elles invitent donc les populations à vaquer tranquillement à leurs occupations. Mais hier, lors de ma prière, le Seigneur m'a alerté le Burkina. Le Seigneur m'a dit, il y a un plan à côté de Ibrahim Traoré. Il y a encore un coup qui est en train de monter à côté de Ibrahim Traoré. Il faut qu'il se réveille rapidement. Le Seigneur lui réclame un remaniement rapide, vite. Il dit un remaniement rapide. Le Seigneur me demande, vite. Il peut être surpris. Et le Seigneur m'a dit, mon fils, c'est moi qui t'ai positionné au Burkina. Pour le peuple burkinabé. Pour que mon peuple se réjouit de la bénédiction. Pour qu'enfin les cris de mon peuple ne me troublent plus. Pour le bienfait, pour le bien-être des Burkinabés. Mais cependant, Dieu t'a envoyé. Mais il t'a aussi envoyé les gens que tu dois les écouter. Président Traoré, il t'a aussi envoyé des gens que tu dois les écouter. Mais tu dois les appeler rapidement pour les écouter, pour qu'ils te disent, parce qu'on a monté certains coups. Il y a des gens qui veulent te renverser, mais ils sont là avec toi. Et il y a d'autres qui savent qu'il y a le danger, mais permets qu'ils te parlent. Laisse-les venir te parler. Que mon Dieu t'ouvre les yeux de voir ce que Dieu m'a montré. Que mon Dieu t'ouvre les yeux de voir ce qu'il m'a montré. Il y avait danger au Burkina. Le Seigneur veut, lui, établir son plan à lui, pas celui des hommes, pour que tu règnes, pour mieux régner au Burkina, pour que ton quinquennat soit sans faute. Mais il y a des gens autour de toi que Dieu me demande de te dire, de les écouter. Dieu me demande de te dire, écoute-les. Et quand tu vas les écouter, tu sauras que c'est de la part de Dieu. Tu sauras que c'est la vérité. Mais si tu ne les écoutes pas, tu ne sauras pas faire le discernement. Le président burkinabé, j'ai dit monsieur Ibrahim Traoré, Burkina, le Burkina. Voilà, je parle du Burkina, c'est lui. C'est urgent, je dis c'est très très urgent. Moi je faisais ma prière hier, c'était pas sur lui que je priais. Vous savez, moi je dis mes choses, ce n'était pas au Burkina que je priais, mais Dieu m'a amené au Burkina. En me disant, laisse le message rapidement. Mais à l'heure où j'ai reçu le message, c'était un peu tard, sinon je le laissais même là. C'était un peu vers 4 heures, vers 2 heures, voilà. Sinon je laissais le message, le Burkina Faso. Et il y a des, à côté, le président Ibrahim Traoré. Et il y a des gens mauvais et qui sont sur le point de le toucher. Oui, le plan est bien là. Ils ont bien tissé quelque chose. Et lorsque Dieu a permis que
le président voit et qu'il a entendu et qu'il a vérifié, il les a tous vidés. Et ceci, c'est l'alerte du Seigneur au Burkina. Et quand il va vider ceux qui sont là, en train de vouloir tirer la vision à terre et détruire, alors, le président lui-même va se sentir autrement. Il va se sentir en sécurité. Car Dieu est avec lui. C'est Dieu qui l'a établi. Mais Dieu aussi a envoyé les gens que lui doit écouter. Ah, il insiste dessus. Hein. Il insiste qu'ils sont de tout cœur avec toi. Ne les néglige pas. Écoute-les. Ils sont de tout cœur avec toi. Ils sont comme tes yeux. Ils voient des choses. Ils entendent ce que toi tu n'entends pas. C'est facile que par eux ils ont vu les informations. Oui, oui. C'est facile. C'est facile. Ils ont vu les informations pour pouvoir t'informer. Mais laisse la sept qui viennent te dire. Ils sont là. Ils peuvent te dire. Il y a des choses qui vont t'informer. Il y a des choses qui vont t'informer. Et après cela, tu prendras des résolutions fermes. Tu prendras les résolutions fermes. Et je déclare que leur plan est déstabilisé. Je déclare que leur plan est déstabilisé. Afin qu'ils ne puissent pas renverser le président Traoré. Afin qu'ils ne puissent pas le détruire. Oui. Je déclare en même temps tout ce qu'ils ont organisé. Dieu permet qu'il entend ces jours. Que ça arrive à ses oreilles afin qu'il puisse les virer tous. Je déclare aussi en même temps que le Tout-Puissant, le Dieu de gloire, l'Éternel des armées qui m'a ouvert les yeux ce matin à 2h au Burkina, que lui-même qui prenne la situation en charge et qui règle la situation. Rien ne sera impossible à Dieu. Rien ne sera impossible à Dieu. Rien n'est impossible à lui. Et en même temps, je déclare que tout plan contre le président Traoré soit renversé. Et que tout coup qu'on a formé contre lui soit démasqué. Et je déclare toute mort prématurée préparée contre lui n'aboutira jamais. Car il est là selon le biais de Dieu, selon la volonté de Dieu. Je détruis tous les plans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.